connu des radios du désert. En fait, Sophie, ça va Sophie? On se concerne Sophie le vague. Comment ça va pas tout être passé? Il y a plusieurs logiques. Oui, il y a des logiques. Et pourquoi tu viens de faire une exploitation agricole? Oui. Ça vient de la responsabilité. Et en plus, il y a un charge dans l'emploi de l'agricole pour un grand groupe d'agro-alimentaire qui s'appelle le choix. Sophie le vague est avec nous. À côté, Miss France. Bonjour. Miss agricole. Comment ça va, Louane? C'est ça, c'est génial. C'est ça. Là, aujourd'hui, hier, c'est comment on se fait dire? Vous savez, j'ai une petite cérémonie? Oui. C'était quoi cette cérémonie? Ça, c'est en mardi, au festival des Charpes, sur le stand de Mikaya. On va les certains, on va voir votre nom, votre nom. Bon, je vais faire cette écharpe là à cette de Vitron. Et à côté, Gabriel, Dupont, bonjour. Bonjour. Bonjour, Gabriel. Et toi, tu es entre autres, parce que tu as un sacré parcours, tu es entre autres patron d'agrégé, et puis tu souviens ou brilleur de votre émetteur. C'est quoi votre émetteur? Alors, votre émetteur, c'est un écosystème média qui met la lumière sur les agriculteurs, pour les femmes de l'agriculture, de toute la chaîne alimentaire, et qui fait la promotion de la mixité dans les conseils d'administration, les instances décisionnaires, les gouvernements de l'école, etc. Et sinon, je suis responsable communication en fait de l'activité. L'activité, c'est le think tank de l'entreprise agricole. Donc, l'agriculture, les jeunes, et les commissions. Exactement. Et donc, on va parler de ça dans l'agriculture. Sophie, tu es déjà un petit peu comment tu as repris l'exploitation? C'est parcours, c'est une rencontre, c'est comment? Alors, je suis devenue agricultrice sur le temps. C'est une dizaine de maisons. En fait, mon père agriculteur, ma mère ingénieure, comme dans beaucoup d'ailleurs de systèmes d'exploitation. Pour toi, c'est le nord de la France, ça fait exactement. Dans le nord de la France, en 20 km de l'île. Ok. Donc, j'ai été arrivée pas pour reprendre l'exploitation agricole. Par contre, malgré tout, l'amour quand même du milieu agricole, puisque j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie. C'est tout ça. C'est à l'île. Ok. Et ensuite, un parcours au centre d'agriculture pour des études agricoles, donc toujours aux côtés des agriculteurs, mais pas en tant qu'agricultrice, plutôt dans le conseil. Et puis, vu lors de la retraite, c'est pas grave, et s'est posé la question cruciale, que va devenir la femme? Sachant que je suis la quatrième génération. Donc, si je ne suis pas, c'était terminé. Pourquoi ça se rend de ne pas c'est ça? C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux utile? Alors, on est en céréales, donc beurre et orge, orge classicole, on est dans le nord, ça prend des montagnes, le colzard pour faire de la bonne verte. Et puis ensuite, on fait du colza et du lin. Du lin textile. Vous êtes combien de colza? C'est quoi? C'est combien de colza? Alors, c'est une exploitation qui fait 50 hectares, donc c'est une exploitation familiale. Et on est doux sur l'exploitation, donc avec mon frère qui est également diversif. Qui n'est pas du tout mis sur le milieu agricole. Et comme dans beaucoup de systèmes, par exemple de beaucoup de systèmes, mon frère a plutôt son côté administratif, parce que moi, c'est sur la partie agronomique de l'exploitation. Du coup, pour ça, donc, on a vu que un des facteurs d'émancipation des familles, c'était l'arrivée de la seigneur, notamment la conformité, les restes sont absolument pas sur des patrimoines, qui a permis cette opportunité. Alors, on trouve peut-être une opportunité pour les femmes de l'exploitation. Et puis, ça peut être en exactement, donc il y a. Une grande femme, une jeune femme de 19 ans, qui est une adulte. On attend de voir pousser? Oui, on fait une adulte. Oui, on voit le détail. Parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu pour les deux d'ailleurs, parce que. Oui, tu as vu? Oui, oui. Tu t'es fait remplacer pour quelqu'un, comment ça s'est passé? C'était l'un des aspects du dossier entre le conflit de la qualité est arrivé à l'égalité dans le tribunal avec le professeur de la qualité, c'est fort de l'utiliser. Oui, alors moi j'ai pu prendre un congé maternité parce qu'à l'époque j'étais salariée de prendre la préfecture. Okay. J'avais mon congé maternité de par la chambre d'agriculture. Par contre, effectivement, pour les travaux d'affaires, ben, j'avais la chance d'avoir encore mon papa qui était là derrière. Et qui, du coup, quand c'était des travaux, c'était un petit vif pour la situation dans laquelle j'étais, ils pouvaient me donner un coup de main. Et alors, mon mari n'est absolument pas dans le milieu agricole, il ne connaît rien du tout. Alors, il me soutient fortement, il est à 200% derrière moi, mais ce n'est pas du tout son travail. Il est dans la restauration. D'accord. Ok. Louane, alors toi, c'est incroyable. Écoutez bien, Louane, elle a une licence de droit en sciences combinées. Oui, c'est ça. C'est quoi pour ça? C'est pour ça que je vous dis.
qu'est-ce qu'on veut faire avec les gens, c'est du travail. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bien quoi? Oui. Et c'est comment, comment on arrive dans la culture, quand on a fait ces études, tant que tu peux y aller. Oui, c'est vrai que j'ai un parcours de l'article, donc des parents qui sont absolument pas étudiés à l'école, des études qui n'ont aucun lien avec le milieu de l'école non plus. Mais j'ai la chance, quand j'étais jeune, de rencontrer la vie d'une baisse de la famille sur laquelle j'ai vécu très agricole. Donc j'ai eu mes premiers brevets avec mes parents. Et depuis, mon petit frère. Pourquoi tu parles de tout ça? Comment on parle de tout ça? C'est pas mal. Ça va ouvert, et tu te dis, c'est votre premier brevet, c'est comment ça s'est passé? Non, nous, alors à zéro point, on a les médiévales. Voilà, c'est une fête historique. Et nous avons plusieurs campagnes de base, des chevaux, des moutons. Et bon, au lieu d'aller à l'étoureau, je suis allée à la vache. Et donc, ça a beaucoup plu à l'agriculteur. Et il m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir à ma ferme voir comment ça se passe? Moi, je suis là. Et je suis revenue. Et des clients que j'avais quittés, ils m'ont offert pour mes anniversaires et de me revenir. Et je suis là aujourd'hui. En plus, ça fait pas des heures dans les apprentissages. C'est ça. Et tu t'es installé, mais tu as combien de produits aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, je suis en secondaire. Hein. Voilà, à côté, je suis salariée agricole au service de remplacement dans un établissement pour décoller la maternité, justement, pour pas faire vidéo, tout ça, dans la maternité. Et à côté de ça, donc, je suis installée en élevage de brebis, dans des parasconnelles, où moi, j'ai des brebis à cornes, et mon compagnon a des cornes à cornes. D'accord, tu peux pas les faire de plus. Voilà, on dit ça souvent, on leur connaît bien dans le vote, les parents qui connaissent souvent leur fille, deux fois de gerber, à ce but de se faire gerber avec un agriculteur. Parce que tout le contraire, c'est une décision, et tu peux dire au quotidien avec un agriculteur. C'est ça, voilà. Donc, lui non plus n'était pas ici du milieu, donc on a compté vraiment des trucs comme ça dans la tête. Et c'est vrai que bon, pour mes parents, quitter la licence de droit pour. Ils sont posés des questions, mais ils sont très fiers de moi. Et chaque jour, je les amène à leur tête. Ils découvrent mon métier, ils en sont fiers. Papa, il est pas fou de cyclisme. C'est ça, mon papa, il est plus de vélo. Tu réalises le Tour de France, d'ailleurs. Il est déjà à l'audio. C'est ça. Non, voilà. Papa, c'est grand cycliste, qui a rien à voir avec les brebis. Mais bon, je leur ai fait un petit cours de vélo et je regarde les brebis au lac. Tout ça, les autres, on va passer par eux pour la plus belle année. On fait son texte, on fait avec une cuisine, on sait que c'est un vraiment, parce que je suis tranquille, je ne sais pas comment ça se passe, elle me dit qu'elle va se lancer dans les 20 chevrolis, aujourd'hui dans le texte. Voilà, c'est ça, moi c'était très compliqué, j'ai pu justifier. Je pense que ça va pas faire longtemps que j'ai dû d'abord justifier mes parents. Bon, mais bon, au fur et à mesure, ils ont compris que je faisais bien des papiers, qu'ils n'avaient pas le choix. J'ai fait les études, c'était bon, j'en ai fait plaisir. Le bon échanger, on est toujours bien dans le secteur, ça vit du temps. Là, on peut être aussi, tout ce
toutes les questions, à la fois les passer par des sujets sur des cultures, et c'est pas simple des relations automatiques pour les groupes sociaux, dans les égaux, dans les styles d'institut, ça va être responsabilité. On a une image un peu proche de parcours. C'est quoi la place des femmes aujourd'hui dans le monde de la culture? Peut-être qu'on va traiter des petits graphiques, des petits enjeux sur les deux questions en vie. C'est quoi la place de la femme aujourd'hui? Alors, c'est une autre question parce que la femme, elle a toujours, les femmes ont toujours été présentes dans l'agriculture. Elles ont toujours été très contributives par des fermes, pour un modèle familial. Elles ont toujours beaucoup travaillé dans les fermes, mais elles n'étaient pas reconnues. Leur travail n'était pas reconnu. Elles n'ont pas, elles pas forcément salariées. Elles n'avaient pas de statut pendant très longtemps. Le congé maternité, on a vu, il est vraiment trop parti. Donc, en fait, les femmes, elles ont toujours été leur but. Ce qui change aujourd'hui, c'est un, c'est la reconnaissance. Elles ont des statuts. Elles peuvent être une seule entreprise agricole. Elles peuvent être salariées. Elles peuvent être professionnelles. Elles peuvent être administratrices. Mais là, on rencontre quand même un certain nombre de difficultés. Alors, il y a quelques difficultés. Donc, on a 50%, tu l'as dit tout à l'heure, 50% à peu près de filles dans les lycées agricoles, il n'y en a que 26% chez les entreprises agricoles, et ce pourcentage ne change pas. On avait rencontré des filles avec les noirs quand on était dans les lycées agricoles, il y a beaucoup qui abandonnent au cours de route, il y a pas de réseau, la société sociétale, le problème des terrains d'arrivée à tout, et puis l'envie de partir le contenu de l'établir, de l'équilibrer, la possibilité de faire quoi pour ces emplois. Alors, pour revenir, cette entreprise agricole, une jeune fille, une femme, a un certain nombre de freins que ne rencontrent pas les hommes. Déjà, dans les lycées agricoles, il y a ce qu'on appelle des filières genrées. On va plutôt leur dire, bah, tiens, ces filières-là sont plutôt pour les filles, ces filières-là sont plutôt pour les filles. Alors, en fait, dans les lycées agricoles, ce n'est pas que c'est pas que les étudiants agriculteurs, c'est aussi un certain nombre de filières, filières soins à la personne, etc. Donc, c'est une question finalement avec les filières agricoles purement agricoles. Donc là, il y a une énorme, la première grande déperdition de ce petit. Je vous dirais même que la toute première déperdition, c'est la maman, que dans les familles, on voit bien que dans les familles, il y a des parents qui déconseillent aux filles de s'installer, parce que parfois, c'est souvent les mères, parce qu'elles-mêmes, elles ont pas trop bien vécu à l'époque où elles n'étaient pas bien reconnues, ou c'est une galère parfois aussi, une femme dans certains milieux, dans certains conseils d'administration, pour arriver dans un conseil d'administration. Il y a le phénomène de plafond de verre qu'on rencontre dans tous les secteurs, pas que l'agriculture, et plus je monte en fait voilà, en responsabilité, plus c'est difficile pour une femme, pour plein de raisons. J'étais la première conseillère arrivée dans ce ministre quand je suis arrivée. Et dans les femmes en fait en fond d'agriculture, elles étaient secrétaires, assistantes. Parce que tu as vécu le crime d'abord. Oui.
clairement, oui, ça permet en fait effectivement de dépassionner tout de suite en débat en montrant qu'on est des gars et des gars et qu'on parle de la même chose. Ça a une énorme importance. Et c'est dans le coup des résultats quand il y a des concours de décisions probables pour les barrages. C'est peut-être oui, peut-être. Peut-être parce que justement, il n'y a pas ce débat-là en fait. Et tu vois, quand tu as été voir le banquier, quand tu lui as dit bonjour monsieur le banquier, quand j'ai une somme de l'arrière et que tu lui as dit tout pour compter ton dommage, on peut dire que dans le documentaire, souvent, il y a un respect par le sud et qu'il y a un respect masculin. Est-ce que c'était le cas pour toi? Alors, moi, tout de suite, j'ai posé une question avec un plan chronologique bien établi. Donc, bien sûr, au début, on nous voit arriver, on ne prend pas forcément trop de sérieux. Bon, après, je suis arrivée avec mon compagnon parce que c'est une installation qu'on fait ensemble. Mais c'est vrai que même en fait, par exemple, du lâchement, on est en exemple de quoi. On arrive avec un plan chronologique, on voit. Mais c'est vrai que c'est peut-être une difficulté de faire des choses. Quand on est une femme, bien sûr, et surtout en élevant, on peut toujours faire ça. On peut savoir, c'est quoi le contexte de ça? Le bouton de prêt, c'est quoi le bouton? Oui. Alors aujourd'hui, nous, pour une installation avec l'achat des terres, on est autour de 500 000 euros. Voilà, c'est quand même énorme, ça représente 14 millions d'euros. C'est énorme, c'est surtout l'appartement sur presque tout ce métier, en fait. Finalement, tout ce métier, on n'a pas pu en parler. C'est 500 000 euros. Entre les terres, les terres, entre les bâtiments. Et tu rembourses à quoi? 30, 35, 40? Non, on va emprunter sur 35 ans. Mais bon, c'est déjà énorme. Et puis en même temps, il faut qu'on fasse avec un matériau qui tourne. Parce qu'on a tellement de charges aujourd'hui auxquelles il faut répondre. Et si on n'a pas les soucis en face qui correspondent, ben, on n'y arrive pas. Une grosse charge, c'est quoi? C'est l'augmentation? Bien sûr, une augmentation générale des charges. Aujourd'hui, tout a augmenté pour tout le monde, donc ça va être une base. Mais je ne sais pas, parce que pour les céréaliers, voilà, la multiculture, tout ça, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on a une grande difficulté, mais c'est problématique. C'est vrai, quand vous étiez en plus, c'est quand même plus important, en tout. Oui. C'est carrément, ça veut dire que tu as ou pas? Alors moi, justement, je continue à être salarié à tout seul à côté. Donc c'est vraiment par passion actuellement à mon métier. Ce n'est pas des scénarios que je pourrais faire à l'armée qui me permettent de vivre. En fait, à la fois, on explique un peu qui nous regarde. Oui. C'est un peu plus que tu es encore plus rapide. Avec des petits instants où les deux fêtes sont en page et les deux fêtes sont en place. C'est ça. Et donc, je dois m'adapter à chaque structure. Donc, quand c'est des sérieux, on a plus tendance à être dans un facteur et à utiliser des outils finalement. Donc, voilà. Par contre, je me dis, je fais une bonne cour. Je dis, chérie, j'ai fait que personne ne soit placé dans une salle d'école. Comment tu dis là? Ça m'a sorti des tensions, mais déjà une des tensions, c'est que je vais faire une déclaration. Dis donc, je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu, je vais il y a encore des systèmes en fait, par exemple, pas trop il y a encore des avancées dans votre école qui vont aller chercher des compétences. Ah oui, on l'entend hein, depuis tout à l'heure, même si ce n'est pas dit aussi clairement ça, mais il y a un certain nombre de points, comme je disais tout à l'heure. Et le premier, qui va faire le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est les stéréotypes de genre. En fait, les stéréotypes de genre, c'est un peu l'idée consultée de ce que doit être un homme, de ce que doit être une femme, pour être un vrai homme, un vrai homme, une vraie femme. On a dans l'imaginaire. On aurait vu qu'à l'hiver dans le documentaire que la spécialisation a permis quand même aux femmes de faire des métiers, en tout cas de pratiquer des codes qui avaient pu être apparemment. Je voulais un demande là-dessus. Okay. C'est que la mécanisation, la première chose, c'est que la mécanisation a en priorité accompagné les travaux des hommes. Les travaux dans les femmes. On a par exemple dans les où il y avait des vagues de la culture et tâche. On n'est pas mécanisé tout de suite la salle de fête parce que c'était l'endroit des femmes, c'était la fête, etc. On a d'abord mécanisé les choses. Pourquoi? Pour les, vraiment les besoins, c'était les hommes. Souvent, encore beaucoup les hommes. Et ça, c'est une première chose. Donc, la mécanisation, elle est ensuite venue dans le fait. L'automatisation des salles de fête, et puis aujourd'hui les robots, et plus ça a été mécanisé, et plus les hommes sont allés justement dans ces lieux-là. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Et puis la deuxième chose, c'est que si tu dis vrai, normalement, on devrait avoir beaucoup de femmes dans les céréales. Or, c'est le secteur où il y en a le moins. Il y en a 20% par rapport à 27% de femmes sur l'entreprise, alors que c'est peut-être beaucoup moins public, je pense que le maraîchage. Maraîchage, c'est quand même la meilleure plus de femmes. Les bases, il y a pas des images qui sont très physiques, c'est un effet physique, avec beaucoup d'astreintes. Donc, le physique, je dirais que c'est pas vraiment un sujet. En tout cas, on met derrière ça
le salarié, un salarié, alors que c'est un salarié, les salariés, les cadres salariés, à peu près 16% de différence de salaire dans ce cadre salarié, pour 8%, on va dire incompréhensible, si on prend vraiment le secteur, le même secteur, etc. C'est des pourcentages qu'on retrouve dans toute la société. Il n'y a aucune raison à ça. Il y a le fait que c'est accentué, s'accentue au moment du premier enfant, comme dans le reste de la société. Et actuellement, on a un système économique qui fait que c'est une femme qui prend sur elle, en fait, le fait d'avoir des enfants, etc. On va dire que ça complètement, c'est pour les niveau des femmes. Et aujourd'hui, c'était acceptable avant parce que le couple durait toute la vie ensemble, faisait leur retraite ensemble. Aujourd'hui, c'est plus vraiment acceptable. Les femmes doivent, je suis malheureusement un jour de la divorce, effectivement, elles doivent pouvoir être financièrement indépendantes. C'est plus ton mari qui l'a rencontré, vous avez étudié, si tu veux, tu étais en train de l'étudier. J'ai rencontré pendant mes études. D'accord. Donc, c'est quoi, c'est quand tu dis, je vais arrêter mon métier de travailler pour reprendre le travail de mon père, de faire la culture. Il le sait, et ça a été mûrement réfléchi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai repris également avec mon cadre. Donc c'est pas un couple au sens marital, c'est un couple stable. Quand on a décidé de reprendre l'exploitation, on a chacun de notre côté. Échanger avec nos conjoints respectifs, parce qu'en fin de compte, c'est un mariage à quatre. Et donc, effectivement, quand moi et mon frère sommes sur l'exploitation, on n'est pas là le week-end, et donc, effectivement, il y a des conjoints qui sont laissés là où ils sont. Et ça, ça a été mûrement posé avant de faire la mariage respectif. Aujourd'hui, le responsable des recettes de l'agriculture pour les cochons, est-ce qu'il trouve où le temps? Alors, moi, j'ai la chance d'être sur une exploitation en polyculture. Donc, effectivement, avec des périodes assez intensives et des périodes qui sont beaucoup plus calmes, ce n'est pas possible aussi d'aller de l'élevage, clairement. Je veux dire que le fait que les personnes aient lieu dans le premier ouvrier pour faire très bien, c'est pas un petit peu pour. Dans le nord, dans les Pyrénées, on n'est pas beaucoup dans les champs. On est plutôt gênés par la pluie, là, c'est bon. Et donc, effectivement, moi, ça me permet en fait d'avoir cette diversité, de moduler avec les week-ends, avec les étrangers, etc. Et puis, j'ai fait cette souplesse aussi, je fais autant, parce que le deal au départ a été posé très clairement. Et donc, si j'ai besoin de prendre une journée pour aller sur mon exploitation, ça peut être sans aucun problème. C'est vrai qu'on y prend des coups, parce que quand tu vas voir le type de parc éducateur qui a dit qu'il travaille pour autre chose, on sait que parfois les mariages sont un peu tendus. Comment ça s'est passé sur le début quand tu as dit qu'on va travailler pour l'avoir? Alors, ça s'est passé tout simplement parce que c'est passionné du produit et c'est passionné de la fibre. Et je pense que chacun a son rôle à jouer. Et quand on est exploitant agricole, ce que l'on aime, c'est produire. On est là pour produire. On commercialise aussi, mais on commercialise au niveau du premier niveau. Et un distributeur, il est là pour être un commerçant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à construire et de rétablir cette relation entre les deux. Et on est... chacun est bien quand il est dans son rôle. Pour être en question au niveau du service qualité, j'ai rencontré des gens passionnés, des gens qui aiment le produit. J'ai vu les valeurs et les conditions qui étaient défendues chez Auchan. Et quand on m'a proposé ce poste en fait, de relation avec le monde agricole, j'ai dit oui, je ne le fais pas partout, mais c'est autant que je fais. Donc, vous avez dit oui. Lui n'a rien dit parce qu'il me laisse faire avec cette chance-là, cette chance ou pas, voilà. Mais voilà, je me suis dit là, il y a quelque chose à faire parce qu'en fait, j'ai des gens qui parlent vrai, qui me permettent de rester dans mon discours droit dans mes bottes. Et donc, on y va, on le fait. C'est ça. Tu veux faire des enfants? C'est ça. Donc, ça va être plus très tard déjà, ça va être compliqué. Comment tu vois, 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 comment tu vois,
Je n'ai pas envie de partir. Moi, aujourd'hui, mes vacances sont des gros tout. Donc, je me laisse tout, je m'occupe bien de moi. Et malheureusement, c'est vrai, plus tard, quand je suis posée, j'ai envie de dire, je crée des enfants. Ça fait quelques temps de dire ça, parce que je me dis, mais quand c'est qu'on est des enfants, c'est quand même finalement. Mais ouais, pour l'instant, c'est ce que je veux faire. Je me laisse le temps. C'est bien que les femmes d'actrices, c'est plus d'enfants, moins d'enfants. C'est une bonne question. Je n'ai pas la moyenne. C'est intéressant. Et est-ce que toi, par exemple, tes enfants, parfois, te reprochent d'être un peu trop dans le feu et passer avec eux? Est-ce que les enfants, surtout les nouvelles fois de repos, c'est une grande chose? Ou est-ce que, du coup, tu t'es dit, c'est vrai, peut-être que j'aurais pas passé beaucoup dans le feu, il n'y a pas de repos avec eux? Non, j'ai jamais eu de reproches. Elle m'accompagne pas forcément. Quand j'étais petite, elle était très fière de m'accompagner dans les champs. Je pense que c'est toujours l'été, le tracteur et compagnie. Surtout quand on est du pays. Quand elles étaient ados, un peu moins. Par contre, en fait, ce qui est surprenant, je pense que peut-être quelque chose qui change, elle regarde les filles du bordiste. C'est qu'elle s'en sert de le dire. Elle ne le cache pas. Alors que, étant donné que j'ai un double métier, elle ne s'est pas obligée, en fin de compte, d'en parler. Et elle s'en sert de le dire. Ma rencontre avec le monde agricole, c'est une histoire d'une déconstruction. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà une famille écolo, avec beaucoup de d'hommes, avec beaucoup d'idées de ce que l'agriculture à sol et la naissance de l'agriculture. Moi, j'ai grandi là-bas, je ne connaissais rien à l'agriculture. Donc, finalement, c'est aussi quand j'ai rencontré des agriculteurs sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, ma porte d'entrée, c'était des transitions. C'était ma passion, c'était comment on répond aux transitions climatiques, écologiques, etc. Et j'ai découvert, quand j'ai créé la map, je me suis dit, j'ai envie d'être actrice en tant que consommateur, j'ai envie d'être actrice. Donc, un groupe de consommateurs, on fait les agriculteurs qui ont une rémunération directe avec les agriculteurs, et puis ils nous apportent une fois par semaine des produits. Ensuite, j'ai vu que c'est un changement professionnel, bilan de compétences, etc. J'étais passionnée par ces questions de transition. Et c'est surtout que je me suis appris, c'était pas du tout ce que j'aurais pu imaginer. Je veux dire, même en amas, j'aurais pu imaginer quelque chose de trop résilient. On a eu un abandon de marque qui prenait maraîcher, on a eu les gens qui disaient, ils sont bons. C'est pas facile, en fait. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, de faire ce concours à animer. C'est que ça passe au niveau de la vie. Et puis à la fin de la vie, on va dire, c'est des
oui, pas mal. Mais en deuxième, oui, le regard, voilà, c'est... Je pense que c'est la même fois, le plus cela pour notre métier, on peut directement nous juger via notre boulot, parce qu'on fait tous les jours. Ouais. Bien sûr, ouais, les gens passent au bord de nos champs et on est jugés. Les gens passent au bord de nos champs et on est jugés directement. Donc, parce que le jugement est très important, c'est un métier faisant à la fin de l'école et on est tous un petit peu confrontés, quoi. Vous pouvez faire le monde dans parler autre, parce que évidemment, vous êtes un métier formidable. Et on vous donnera ce qui est bon, ce qui est très bien passé. Très bien, parce que moi, ça fait, vous avez parfait. La géographie, c'était donc, c'était une très bonne particulière sur le port de Rostel. C'est un peu formidable d'autres qui sont appelés par les gens sur France 2, aller le voir, on apprend, pointer sur ces combattantes du monde agricole qui ont fait avancer la cause. Et